Okay. Hello tout le monde, c'est Cube. Aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo de ma nouvelle série Borderlands pour les anglophones, ou sinon Borderlands pour les francophones. Ce jeu est en style FPS, je l'adore, j'ai fini deux fois. Donc là je parle vite, et je vais vite parce que ça fait trois fois, même quatre, que je recommence la vidéo en moins de 10 minutes, donc voilà. Désolé pour les graphiques. Parce que je peux pas les régler parce que ça bug. Voilà. Ce jeu a son charme, franchement. Par exemple, regardez le bourbon qui tombe derrière. Voilà, déjà rien que ça, quoi. J'espère que ça va marcher. Ah oui, ça a marché trop fort. Donc, on va commencer sans plus attendre. Donc, non, oui. Avant, je vais passer. Tout ce qui est audio. Voilà. Bon, je vous mettrai les sous-titres. Comme ça, vous entendrez bien. Et voilà. Donc là, on peut commencer. Donc voilà, ça c'était mon ancien truc. Voilà. J'ai mis déjà 15 heures pour le finir. Donc voilà. Et on commence une nouvelle partie sans plus attendre. Et je vais me taire pour la cinématique. Donc, tout simplement. Vous aimez les histoires, hein? Surtout avec des chasseurs de trésors. J'en ai une incroyable. Pandore. C'est chez nous. Une planète pas très conviviale. Pas un endroit pour l'amour et la paix. On dit que c'est un désert. Que c'est dangereux, qu'il faudrait être fou pour venir chercher fortune ici. Alors ça fait de moi un fou. Mais ne vous laissez pas aveugler par l'apparence de Pandore. Il y a la légende, tout le monde la connaît. La légende de l'Arche. Mon père a toujours parlé de l'Arche, jusqu'à son dernier souffle. La légende de l'Arche est un conte envoûtant. Technologie extraterrestre futuriste, richesse, célébrité, puissance... et femmes. Facile de comprendre pourquoi les gosses qu'on gave de ces histoires deviennent des chasseurs de l'Arche. Eh bien, voilà mon histoire incroyable. Mais je vous garantis qu'elle est vraie. L'Arche existe et elle est ici, sur Pandore. Et un, disons, ange gardien est apparu pour guider les chasseurs de l'Arche jusqu'à leur Graal. L'histoire commence ici, sur Pandore. Avec d'audacieux chasseurs de l'Arche, l'ange gardien, et le plus important, moi. Donc voilà, ça c'était Marcus qui nous parlait, le vendeur d'armes. On se réveille derrière. Il fait un temps magnifique. Le monde vous appartient.
Rassemblez vos affaires. Qui descend du bus? Toi là-bas, avec le fusil de précision et le masque bizarre. On dirait un catcheur truxicain qui fait des hors sup en dominatrice SM. Et toi, soldat? C'est pas une armure de la lance écarlate que tu portes? Et vous, mamselle, qu'est-ce que vous savez faire? Commencez donc par nous faire la cuisine. Et toi, le balèze à l'arrière, je vais pas me foutre de toi. Tu serais bien capable de me mettre en charpie. Donc voilà. Bref, donc là, j'ai un le bon choix conseil. Quatre personnages, pardon. C'est pas la belle vie dehors. Qu'est-ce que je vais choisir? Alors vous avisez pas de castagner la première bestiole venue avant d'être prêt à l'affronter. L'élite, bien sûr, je sais pas quoi, vous espérez l'élite, tuer des bandits et trouver des trésors. Parce que vous mais l'avez vu avant, l'équipement qui ils ont de tous des compétences et elle, c'est la meilleure. Heureusement, si vous mourrez, vous pouvez elle pas vous faire rembourser puisque vous êtes mort. Vous verrez ça. Non, je rigole. Pas la peine de faire des gueules d'enterrement. C'est Brick. Et si vous êtes ici pour chercher l'arche, ça va pas être une promenade de santé. Alors, n'ayez pas peur de dépenser pour vous procurer l'équipement indispensable. On aime bien les points. Moi, c'est Marcus. Lui, il peut taper très très fort. Je descends de 7 générations de marchands. Des oiseaux. Et je suis le meilleur. Voilà, c'est son guillemot, c'est un oiseau. C'est comme ça qu'il s'appelle. Parce que j'arrive à gagner de l'argent, même ici, dans ce trou paumé. Le soldat, Roland. C'est... Lui, il peut invoquer une tourelle Scorpio. Donc, une tourelle quoi. Donc, je vais prendre l'élite, comme toutes mes parties. Ne t'inquiète pas. Je veux que tu gardes ton calme. Ne dis à personne que tu entends ma voix. Commence à descendre du bus. Tu n'as aucune raison de me faire confiance, mais je suis là pour te guider. Pour t'aider à trouver l'arche. Tu dois y croire. Dans un instant, tu vas être accueilli par un étrange petit robot. Fais tout ce qu'il te dira. Tu comprendras ce que je veux dire quand tu le verras. Je te recontacterai très vite. Bon, on est arrivé. Allez, au revoir. Non, à bientôt. Je suis sûr qu'on remettra ça dans pas longtemps. Descends de mon bus. Et donc nous voilà partis avec le petit robot, vous voyez, là. Quoi dire de plus? Rien. Voilà. Il prend le relais. Là, il y a la vue qui se charge. Pouf, on a de la vie. Voilà, ça va être les munitions. Donc là, voilà. Là, on a la barre de... un repère, voilà, quoi. Le petit repère. Parfait. Mes capteurs indiquent que votre système écho est 100% opérationnel. Par ici, s'il vous plaît. Donc moi, je joue avec une manette Xbox 360. Xbox 360. Ah, voilà. Sinon, voilà, je joue sur PC, mais bon. Montez dessus! Ceci est la station New Fury. Lorsque vous utilisez cet appareil, votre profil ADN est automatiquement effectué et enregistré. À présent, veuillez activer la station New Fury. Donc en fait, c'est New Who, hein. New You. C'est un jeu de mots. Voilà, je suis Lilith, je ressemble à ça. Donc, on voit comment le personnaliser. Qu'est-ce que je peux mettre comme couleur? Ça, allez, tiens. Du noir, c'est bien. Et du rouge encore là.
Voilà. Parfait. Et tiens, on va l'appeler Lily. On va appeler Ed Cube. Vous avez souscrit la meilleure assurance contre tout arrachage de membres et toute mort douloureuse. Si un accident malheureux devait survenir, vous seriez cloné vers la station la plus proche. Maintenant, dirigez-vous vers la prison. Non. Je vous en prie, veuillez me suivre. Je vais pas y arriver à faire mon nom. Voilà. Voilà. Lily t'a changé de nom pour Ed Cube. Oui. Oula, c'est quoi ça? On va devoir les affronter? Ça sert à rien, faut le retirer. Trouillard, ils sont partis. Est-ce que ils sont partis? Ces bandits nous en veulent vraiment à nous les clap-clap. Nous n'avons pas été programmés pour servir de cible d'entraînement. Et c'est ouvert. Donc oui, du coup, je vais pas faire le truc maintenant. Je vais juste aller chercher des armes avant. Parce que je connais quand même bien le jeu. Et vous verrez, on va pouvoir améliorer des trucs, des nouvelles armes, on aura des compétences, des pouvoirs, des armes élémentaires. Ça va être génial, vous allez voir. Donc là, j'ai ouvert le coffre. Et pouf, Charles Sniper, niveau 4. Bah là, je suis niveau 1, que je pourrais avoir. Donc, vu qu'il est niveau 4, je vais pas pouvoir le porter. Tais-toi, merci. Donc là... Je prends des munitions. Et là par exemple ça, c'est de mon niveau, donc je le prends. Voilà, swag. Je appuie sur Y pour changer d'arme. Et je saute. Ah oui, et vu que c'est un autre monde que par exemple la planète, la Terre quoi. Bah la gravité est pas du tout la même. Par exemple, vous voyez que je fais des sauts de 2 mètres, 1 mètre et demi. Voilà. Ok, donc ça juste les trucs là. Voilà, un mort en plus. Enfin non, un mort en moins. T'as besoin que ta morue d'un coup de main. Tu veux vraiment que j'aille chercher le portail? Allez, ouvre! Et donc j'appuie sur le joystick droit, lui droit, pour donner des coups. Donc voilà, c'est tout ça. Et puis formidable. Ouais, youpi, j'ai tué des gens. Vous voyez, à gauche, pouf, on me dit qu'il faut que j'appuie sur Vèche. Faut que j'appuie pas sur Vèche. Donc voilà, là j'ai deux armes. Donc j'ai l'arme que je préfère. Donc je prends celle-là au lieu de celle-là. Parce que regardez, j'appuie sur back. Et là j'ai plusieurs menus. 4. Donc celui-là il sert, vous verrez plus tard. Attends, pour l'instant toutes mes armes sont niveau 0. Ça c'est mon sac à dos quoi. Là, c'est écrit en gros. Donc là par exemple là je peux changer d'arme. Si je veux celle-là, comme ça, je mets ça là. Voilà. Ça je peux pas encore le mettre parce qu'il faut que je sois à niveau 4. Ça, faut que je mette là, sauf que vous voyez, regardez. Ça par exemple, le RF repeater, il cause 12 de dégâts. Donc on voit une petite flèche au-dessus. Il dit qu'il est plus fort que celui-là. La précision 78. Par exemple, si vous visez au milieu de l'écran, ça va pas être trop précis. Mais là il est assez précis. La cadence de tir, c'est extrêmement important. Pas pour les répéteurs, enfin peut-être un petit peu après, mais voilà. C'est par exemple, au lieu de faire boum 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 boum, le truc va être plus vite. Tirer une balle par seconde, il va aller beaucoup plus vite. Ou sinon, voilà, j'ai les armes qu'il faut, donc on va y aller. Et voilà, je vous explique pas tout en détail.
Ces commandes semblent endommagées. Ne craignez rien, je peux me débrouiller. Voilà, glitch. Par contre, est-ce que c'est moi qui sais. On a son œil. Si, des fois je ne parle pas beaucoup. Bah, c'est parce que je suis concentré des fois. Donc, voilà. Excusez-moi d'être concentré. Par contre, juste le truc. Oh, là, vous voyez, j'ai récupéré de la santé. Le truc à gauche, voilà, c'est malin. J'arrive pas à viser à cause de ça. Et par contre, lui, ça a vraiment pas visé au début. Donc, vous étonnez pas. Vous voyez, là, j'ai un viseur. Niveau supérieur. Attends, niveau 2. Vous venez de monter d'un niveau. Merci, je viens de le lire. À chaque passage à un niveau supérieur, votre réserve de santé à la quantité de dégâts que vous infligez augmente. En outre, votre santé et votre bouclier sont remis au maximum. Donc vous voyez, en bas là, il me restait, je sais pas, 50. Et là, pouf, tout d'un coup, j'ai toute ma vie. Sauf que là, celui-là, il vient juste de me tirer dessus. Voilà. Donc, voilà. Et il faut absolument que je mette un minuteur. Je savais que tu étais le bon choix. Vas-y, je te recontacterai. Bon, pire, ouais, je sais ce que je ferai. Voilà, donc on fait le petit robot qui l'attrape. À l'attention des citoyens, aucune raison de s'inquiéter. Le nouveau visiteur a résolu le problème. Bon sang, j'ai bien cru que ma dernière heure était arrivée. Fumier de bandits, toujours sur notre dos. J'ai dû me barricader. Je vais vous faire entrer. Allez, merde, ces circuits pourris sont encore en panne. Essayez l'interrupteur de votre côté pour voir. Donc là, ça c'est l'écran de mission. En plus, le docteur est en consultation, docteur Z. À ne pas confondre avec le docteur Ned. Ouvrez le bâtiment 3 de Firestone. Firestone, ouais. Et retrouvez le docteur Z. Bâtiment 3 ouvert. Parlez au docteur Z. Et le truc en bas là, on s'en fiche complètement. Alors, il y a niveau 2, difficulté normale. Récompense 48 XP. Je gagne 0 argent. Parce que voilà, il va pas me donner de l'argent juste parce que j'ai ouvert sa porte. Donc voilà, ce qu'il vient de dire, c'est très important. Alors, le petit diamant, là, j'appelle plus ça un rubis, mais bon. Juste un parallélogramme. Voilà. Diamant. Donc voilà, docteur Z, merci très violent. De l'avoir ouvert. Je m'appelle Z. On me laisse plus charcuter les gens parce qu'on m'a retiré ma licence. Mais je suis chargé d'entretenir les bornes médicales. Dans ces bornes, vous pouvez acheter tout le matériel de soins qu'un vrai docteur vous prescrirait. Et ça vous évitera les sermons du genre « Cette arche est une légende, vous allez vous faire tuer ». Voilà. Donc là... Je suis censé m'occuper de l'entretien de ce matériel médical. Donc là, on a l'écran de mission. Par exemple, vu que là, j'ai réussi à la mission, on va être en vert. Donc, le docteur est en consultation. Oui, je suis content, j'ai tout ouvert et tout au rapport. Donc là, je suis au rapport. Et j'appuie sur A. Et ouais! Merci de l'avoir ouverte. Je m'appelle docteur Z et non Ned. Parce que Ned, vous allez voir, c'est... TG. Vous allez voir, c'est une autre personne. Mais bon, voilà. Il nous félicite. On a 48 d'XP. Voilà. Et il nous donne une autre mission. Donc voilà, on la prend sans plus attendre. Et là, pouf, on va la faire. Et... Vous savez ce que vous voulez. Maintenant que ceci alors, est fait, tirez-vous. Veuillez me suivre, je vais vous ouvrir les portes. Donc en fait, la ville du début, je la connais par cœur. Tout simplement. Donc vous allez me voir. En fait, j'ai trop vite pour lui, quoi. Ouais, ils entendent mal, j'ai le claptrap.
Il crie le claptrap, il a mal, c'est un robot. Donc là, le mec a dit, ils sont trop nombreux. Donc je vous laisse deviner combien on est. Donc ceux qui me disent deux, voilà. Tu peux pas m'y... On dirait que vous vous êtes mis une Fortayado. Mais vous inquiétez pas, il finira par avoir ce qu'il mérite. Tu as réussi. Je savais que tu étais le bon. Oh, ce pauvre robot a besoin de toi. Tu veux bien lui prêter assistance? Voilà. Donc là, j'ai une nouvelle mission. Ah, faut aller que je fasse les... Tac. Non, même pas la peine. Donc oui, au début, je vais faire les missions du tac au tac. Donc là, je prends le kit de réparation pour aller sauver le petit claptrap. Qui est endommagé grâce à une roquette. D'ailleurs, il devrait déjà avoir explosé. Ce petit robot est blessé. Sans réparation d'urgence, il n'en a plus pour longtemps. N'y a-t-il pas près de toi quelque chose qui puisse le remettre en état? Si, dans ma poche. Voilà. Allez, 72 expériences en plus. Mais on dirait, j'ai une fuite. Il a l'air d'aller bien. Il est temps de te mettre en route et d'entreprendre le voyage pour lequel tu es venu ici. Donc là, je tue des skags. Donc attention, hein, ce jeu il est déconseillé au moins de 12 ans. Même si les graphismes sont nuls, voilà. Vous saurez pourquoi. Bon, ça fait pas peur, mais après il y aura des zombies, des trucs, sauf que voilà. Hein, vraiment des conseils moins de 12 ans. Bah, remarque, c'est quand même un FPS, donc. Voilà, j'ai tué mes 5 skags. Vous voyez à droite, il y a ce qu'a tué au rapport. Tout simplement. Donc là, je veux revoir le monsieur là, Docteur Z. J'ai encore fait me tromper. Vous venez pourquoi? Pour demander ta mission, pour te prendre ta thune. Et quand vous serez blessé, vous serez voilà. Bien content. On voit qu'il me donne 144 d'XP, déjà c'est beaucoup. Enfin, pour le début. Et il me donne 313 d'argent. Voilà, je suis content, j'ai de l'argent. Été les blessures bêtes, ok. Y a rien d'autre à faire pour le moment. Ok, et après, on va faire cette mission là, et après on va se laisser ici. J'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui. Ah, faut. Si. La carte écho. Ok, donc ça c'est ce que je disais. C'est ça. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. C'était ça. Donc là, je vais ici pour la carte. Ouh, j'ai une grande carte. Voilà, c'est la vie. Donc pour vous dire, ça c'est pas tout, du tout toute la carte. En gros, il y a au moins 10 fois ça. Ou même 15 fois ça. 15 fois ça. Au moins 15 fois ça. Du coup, on va devoir tout faire à pied. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai mis 15 heures à le faire. Là, on mettra peut-être une douzaine d'heures. Par contre, ouais, juste, je vous explique pas les principes. Alors on tue des méchants, on gagne des armes, parce qu'ils en lootent, ils donnent de l'argent aussi. Ils donnent des balles, voilà, c'est la vie. Et là, pouf, il m'a donné quoi comme arme? Un truc qui est nul, même l'arme du début que t'as, elle est plus forte. Pardon. Ouh, excusez-moi. Ah par contre, elle a plus 50 de vitesse de rechargement, mais elle a 12 dans le chargeur. Ouais, non. Non. Donc là, pouf. Coupleur électrique. Puis sur E pour le ramasser. Et pouf, vous voyez à droite, j'ai le truc qui est coché. Bah, du coup, je vais aller pouvoir trouver le Docteur Z. Et ce que je dirais aussi, c'est que dès que j'aurai fini ce let's play, je ferai Borderlands 2. Donc voilà. Donc, pour les personnes que ça intéresse. Vous venez pourquoi? Pour la mission. Pour être ça. Vous savez tout ce que vous avez besoin de savoir. Pouf, là on va entrer aussi encore un truc. Déjà rien que ça, voilà. Voilà comme tu prends d'or.
Appelez-moi Z. Plusieurs E et pouf, j'ai un truc, c'est un magasin. Donc là, je peux acheter des trousses. Regarde, bah, j'ai mon bouclier et tout. Donc là, on va s'acheter un bouclier. Ça, parce que YOLO. Attends. On va se prendre ça pour le moment. Pouf, vous voyez, en bas. Merci pour le coup de main. Y a rien d'autre à faire. Voir à utiliser la machine pour et vendre pouf, les trucs. En bas à gauche. Ah donc vous avez en bas à gauche, j'ai le bouclier qui se recharge au fur et à mesure qu'on ne prend pas de dégâts. Et vous voyez, dès qu'on va se prendre des dégâts, ça va aller dans le bouclier. Mais ça va pas tuer notre vie, quoi. On n'aura pas de vie en moins. Mais après, une fois que notre bouclier, bah, on a plus. Il vous faut quelque chose. Et bah, il va se recharger, sauf qu'on aura de la vie en moins. Et j'avais dit qu'on s'arrêterait là. Les gens ne te font pas encore confiance. Et tu ne trouveras jamais l'arche sans leur aide. Résoudre le problème du docteur Z avec 9 orteils serait un bon début. Donc voilà. Donc pour ce premier épisode, on va se laisser ici. Voilà, tout simplement. Parce que ça doit faire au moins 20 minutes que je tourne cet épisode. Et voilà. Tout simplement parce que voilà, faut bien s'arrêter à un moment. Donc moi je vous dis à plus dans le bus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao. Et n'oublie pas de mettre un j'aime, un pouce vert sur cette vidéo pour que je continue. Ce serait bien. Une bonne manière de me dire merci. Donc là, allez. À plus dans le bus.